Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire cette jolie fraise. Voilà. Alors la mienne a fait 6 cm. Et pour faire le porte-clés, j'ai mis 3 petits anneaux et un petit mousqueton que j'avais acheté chez Temu. On aura besoin de watts et d'un centimètre, mais bon, c'était pour vous mesurer. D'une aiguille à laine et un crochet numéro 3. Voilà. Donc, on va commencer. D'abord, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, partagez. C'est gratuit et moi, ça me permet d'avancer. Merci à tous. Alors, pour commencer, on va faire... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. C'est du coton ami de chez Ziman, voilà. Et il se crochette en 2,5, 3,5. Il fait 50 grammes, plus ou moins 140 mètres. Donc voilà. Et j'ai pris du verre qui va avec. Bah oui, pour faire le haut de la fraise. Voilà. Allez, on fait un nœud magique. Hop, je retire le petit fil du milieu. Et là, on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Une, deux, trois et quatre. On serre le nœud. Vous n'êtes pas obligé de serrer à fond parce que le fil, il va aller à l'intérieur. Donc, hop, moi, je le coupe. Voilà. Je le serrerai un petit peu plus après. Voilà. Donc. Ou alors, vous le cachez en même temps que vous faites le travail. Voilà. Hop. Moi, je vais le cacher. Comme ça, il se verra plus. Voilà. Donc, là, on a 4 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. Et là, on va doubler. Donc, de 4, on va passer à 8. Donc. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et 8. Voilà. Là, on va refaire un rang d'augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une, deux, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et la dernière augmentation. Une et deux. Excusez-moi, j'ai eu du mal pour la dernière. Voilà. Hop. Là, on va faire 3 rangs sans augmentation. Une, deux, quatre. 5, 6, 7, 8,
10, 11 et 12. Voilà, on retourne au travail. On revient dans la maille serrée du début, une maille en l'air, et on refait les 12 mailles serrées. Oh pardon, je crois que j'étais parti du champ. On refait un rang. Deux, trois, quatre, cinq, six, si ça veut, sept, huit, neuf. 10, 11 et 12. Voilà. Hop. Et là, on va refaire une petite augmentation. Voilà, ça doit vous donner ça. Il est sur le bout de mon doigt. On va faire une maille serrée, deux mailles serrées, une augmentation. Une, deux, et j'ai un nœud. Voilà, super. Voilà. Allez, une maille serrée, deux mailles serrées, hop, on tourne, une augmentation, une et deux, une maille serrée, deux mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, deux mailles serrées, hop, et la dernière augmentation. Voilà. On va refaire un rang sans augmentation. Une, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12,
13 14. Voilà. Donc là, on va commencer à mettre de la ouate. Parce qu'après, on va faire un rang de diminution. Il faut vraiment pas beaucoup, hein. Je vais remettre encore un petit peu, mais ça devrait suffire. Parce qu'il faut pas écarter les mailles. Voilà. Voilà, on va faire ça. Et là, on va attaquer les diminutions. Hop. Alors, on va faire. J'essaie de bien rentrer la ouate parce que sinon ça va ressortir. Une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée. Une diminution. Alors, on rentre, on finit pas. On rentre, on finit pas. Hop, et un jeté dans toutes les mailles. Voilà, je cherchais mon mot, désolé. Une maille serrée. Une maille serrée que l'on finit pas. Une maille serrée que l'on finit pas. Un jeté sur le crochet. Hop. On prend le tout. Une maille serrée. Une maille serrée que l'on finit pas. Une maille serrée que l'on finit pas. Hop. Et le tout. Voilà. J'ai un petit peu de fil. Une maille serrée. Voilà. Ensuite. Une maille serrée que l'on finit pas. Une maille serrée que l'on finit pas. Zut, voilà. Et le tout en même temps. Voilà. Et là, il nous reste une maille serrée. Voilà. On remet bien le travail en place. Voilà. Hop. La dernière maille. Et une maille coulée. Voilà. Et là, on a fini le travail. Vous voyez, ça va bien long. On va prendre un grand morceau. Enfin, un grand morceau, je me comprends. On va bien serrer. Voilà. Et là, on va prendre l'aiguille à laine. Et là, on va faire tout le tour. On va prendre une maille, une maille, voilà. Hop. Là. Là. Et là. Et là, on va serrer. Normalement, voilà, ça doit tout refermer. Voilà. Excusez-moi si je tousse, je commence à être malade. Ensuite, vous piquez votre aiguille au milieu. Là, on va au milieu, en dessous, et on tire. Voilà. Vous voyez, ça doit faire. Vous remettez le travail en place. Voilà. Ça doit faire ça en dessous. Au-dessus, pas en dessous. Oh. Ensuite, hop. Moi, je vais repasser, voilà, pour bien bloquer la laine. La laine, non, c'est du coton. Voilà, on appuie. Ça me fait penser à une fraise tagada. On coupe à ras, voilà. Si on voit que c'est un petit peu sorti, on prend l'aiguille et on rentre. Voilà. Voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Après, on le remettra en forme parce qu'on a le haut à faire. Voilà.
Hop, on la remet en RAM. Voilà. Alors, maintenant, on va attaquer le petit haut là. C'est pas difficile du tout. Hop. Et ça va très vite, hein, vous voyez. Alors, pour le haut, on va faire un nœud magique. Voilà. Hop. Ensuite, on va serrer un peu là. On va refaire 4 mailles serrées à l'intérieur. Une, deux, trois, quatre. Quelque chose qui me chatouille le bras. Ensuite, bah là, on va le couper aussi, parce que sinon ça va être trop long. Hop. J'ai tendance à prendre des grands morceaux, moi, pour faire les cercles magiques. Après, je perds. Voilà, hop, on va le coincer en même temps. Voilà, donc là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Une, deux, trois, quatre. Retourne dans la maille serrée du début. Et là, on va faire les augmentations. Donc, on fait une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Truc accroché à l'ongle. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Et on finit par l'augmentation. Voilà. Et pour savoir si ça va sur la petite fraise, oh ben non, on va encore faire un petit rang. Voilà. Donc là, on va faire 2 mailles serrées. Une, deux et une augmentation. Une et deux. Une. Deux, une augmentation. Voilà. Une, deux, une augmentation. Une. Deux et une augmentation. Hop, on va chercher du fil. Voilà, on va finir notre augmentation. Hop. Et normalement, ça devrait suffire. Voilà. Alors, pour faire les petits pédoncules, on va faire une, deux et trois. Et là, hop, on descend. Une,
2. On fait une maille serrée. Hop. On va dans la maille d'à côté et on recommence. 1, 2 et 3. Et là. 1. Voilà. Hop, on pique entre les deux. Et 2. Une maille serrée. La maille d'à côté, on recommence. 1, 2 et 3. Voilà. Hop. Ah, voilà, un peu de coton. On a un petit morceau, comme ça je serai tranquille. Voilà, vous voyez, ça fait des petites. Voilà, hop. La maille serrée, on va à côté, 1, 2 et 3, on pique, voilà, en fait on fait comme si on faisait des picots, voilà, exactement pareil, hop. Et là, on recommence. 1, 2 et 3. Hop. La maille serrée. 1, 2 et 3. On replace tout bien. 1, 2 et 3. Hop. Ah. Ma petite maille serrée. Hop. La maille d'à côté. 1, 2 et 3. Ah, bah, va pas venir, hein. Voilà, hop. Et la petite maille serrée d'à côté, vous voyez? Hop, on replace. Là, on va faire deux mailles en l'air. Et on va couper un petit morceau parce que, hop, on va le coudre à la fraise. Voilà. On serre bien. Vous voyez ce que ça donne? En fait, ça fait une petite étoile. Voilà. Et là, on va le coudre comme ça. Hop. Alors, on va prendre la petite. Bon, la petite, ça va. Elle est correcte. L'aiguille Allen. Donc là, hop, on va commencer à coudre. Voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Hop. Vous rentrez bien le fil pour pas que ça se voie en dessous, hein, quand même. Voyez, c'est vite fait. Du coup, j'aurai deux porte-clés. Je vais me les accrocher à mon petit sac à main. Voilà. Hop, je fais la couture. Voilà. C'est pas de la couture, hein. Je suis pas une pro de la couture, hein. Voilà. Hop, une fois que c'est fait.
Je vais repiquer là, voilà, hop. Voyez, on voit pas beaucoup les fils. Hop. Je vais repiquer ouais, par là, au milieu. Et là, hop, je vais repiquer au milieu de la petite fraise. On va descendre le fil. On serre un peu, voilà. On replace tout. Et là, on coupe. Comme c'est passé dans la matière de la ouate, ça va pas partir. Ah, bah si vous voyez que ça se rentre pas, prenez le bout des ciseaux. Voilà. On remet le petit travail en place. Voilà. Donc là, on va faire une petite mèche chaînette. Donc du coup, je vais prendre le crochet numéro 2. Voilà, hop. Je vais l'accrocher. On remettra tout le travail en place après. Alors, je vais faire un gros nœud, hein, vous inquiétez pas. Après, on rentrera le fil, c'est pas un souci. Donc là, je repique, hop, et on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et 10, il ouais, faut pas que ça soit trop long non plus. 11, 12, 13, 14, 15. Oh oui, 15, je pense que ça devrait suffire. On va couper une petite longueur parce que c'est comme on va rentrer les fils à l'intérieur. Voilà, hop. Là, hop. On va reprendre l'aiguille. On va faire un tout petit nœud. Voilà. Ah oui, ce qu'on va faire, on va prendre les deux nœuds de tout à l'heure. Hop, on va bien les serrer. Excusez-moi, je commence à avoir mal à la gorge. Hop. Là, on va reprendre et on va piquer à l'intérieur et on va le faire sortir. Voilà, par en dessous. Voilà, voyez, le nœud est rentré à l'intérieur et on ne le voit plus. Voilà. Ah, mes ciseaux commencent à plus couper là. Et on remet le travail en place. Voilà. Et là, on prend les petits anneaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Si vous avez un porte-clés, mettez-le parce que moi, j'ai pas de porte-clés. Donc, il faut que j'en commande. Hop. Alors là, ah bah non, ça va tout seul. Bon. Ah non, ah bien ce que je pensais, c'est accroché. Voilà. Et ben voilà, ça fait un petit porte-clés. Voilà. Alors, moi, du coup, j'en ai deux. Vous voyez, ça va très très vite. Bon, elle est un petit peu bancale la mienne, je sais pas pourquoi. Il y en a une que je réussis à chaque fois. La première, je réussis bien. La deuxième, elle est bancale. C'est pas grave. Et mes petites fraises. Donc voilà, sur ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais vous dire à très vite pour un prochain tuto. Et on se retrouve dimanche pour le petit blabla habituel. Allez, je vous embrasse, à très vite.